Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Bouyakam. Salut Jolate. Il y a pas longtemps, les développeurs du jeu Naruto Online m'ont envoyé un petit message. Ils m'ont demandé si j'étais chaud pour faire une petite vidéo sur leur jeu. J'ai dit bah ouais, pourquoi pas, vas-y, fais péter. Alors pour tout vous dire, on m'a déjà proposé plein de jeux en partenariat. Bien souvent, je dis non, en fait, j'ai tout le temps dit non. Et jusque là, un petit Naruto, franchement, ça me dit bien. D'autant plus que je suis avec un des plus grands fans de Naruto, oh. Mon vieux. J'ai nommé Sofiane. Oh. Oh, sois pas modeste. Il est modeste. Il a poncé le jeu. Il a été au niveau 152 ou je sais pas quoi, mon vieux. C'était un truc de malade. 53. Ouais. Niveau 53 quand même, ce cochon, ça va. Hein. Aussi, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une opération. Ça s'appelle l'opération Joyeux Noël. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, j'avais fait l'opération avec l'association Les Petits Princes. Donc, c'était pour les enfants malades. Cette fois-ci, c'est pour offrir des cadeaux de Noël à des sans-abri. Donc, c'est plutôt cool. Et tout ça gratuitement, ça va rien vous coûter. Il vous suffit juste de vous rendre sur le site noel.lilou.org. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Et vous pouvez utiliser le moteur de recherche lilou.org pendant les fêtes de Noël. Et en fait, à chaque fois que vous utilisez le moteur de recherche, et eh bien ça fait gagner 5€ pour l'opération Joyeux Noël. Donc ça c'est plutôt cool. Bon alors pour la vidéo, je suis bien sûr avec le plus grand ponceur du jeu Naruto Online de tous les temps. J'ai bien sûr nommé Bouyakam. Merci, putain, je l'attendais. Voilà. Et donc eh bien Bouyakam va tout nous expliquer de fond en comble le jeu. Franchement, lui il connaît tout. Attends, moi, je connais pas grand-chose au jeu. En revanche, Naruto, je connais un petit peu l'univers. J'avais déjà fait des vidéos sur Naruto à l'époque, mais c'était le jeu de combat. C'était pas Naruto Online, mais ça peut être cool. Au début, on a le choix entre 5 personnages. Donc en fait, c'est plus le choix entre 5 pouvoirs. On a le choix entre la terre, le vent, le feu, l'eau et la foudre. Et franchement, ça c'est plutôt cool. Tu prends lequel toi, cochon? Moi je prends le feu. Et par contre, tu recommences à zéro, hein. Tu prends pas ton personnage niveau 53. Hein. Oh mais non, sinon après je vais te donner un coup, tu vas mourir. Alors là, je vais changer mon nom. On va s'appeler... Jolate. On va s'appeler Jolate. Jolate le ninja, mon vieux. T'inquiète. Oh. Voilà, t'as pris la foudre toi? Le feu, moi. Je vais prendre l'eau. Vous allez voir que pendant la vidéo, j'ai un défi de taille à proposer à Sofiane. J'ai un très grand défi à proposer à Sofiane. Il est pas au courant, je lui ai juste dit que j'avais un défi à lui proposer. Je ne lui en ai pas dit plus. Donc bien sûr, avant de commencer, je voulais dire que Naruto, c'était la licence officielle de Bandai Namco. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc la conception du jeu a été supervisée par Masashi Kishimoto, mon vieux. C'est un truc de fou, je sais même pas si je l'ai bien dit. Kishimoto. Ah, merci Sofiane. Et donc l'auteur lui-même des Naruto. Donc c'est plutôt cool. Et t'arrêtes de courir partout, cochon, là. Attends, je suis où, moi? Donc au début, il faut faire le tutoriel. Donc ouais, c'est un petit peu redondant le début, vite fait. Mais après, vous allez voir que ça devient franchement sympa. C'est plutôt cool. Tu dois d'abord terminer l'enregistrement des ninjas. Après t'être préparé, tu pourras me trouver dans la salle d'enregistrement. Vas-y, ça marche, let's go mon vieux. Fais péter, accepter la mission. Alors au début, cochon, si je me souviens bien, parce que j'y ai joué un petit peu avant avec Sofiane, il fut un temps. Donc il faut aller voir le vieux dans son dojo, je crois. C'est ça, viens, c'est moi. On va tout de suite aller le voir. Il est là. Ouais ouais, je sais, je m'en souviens, il est là, ouais ouais. Alors faut savoir que Naruto Online, j'y avais déjà joué avant avec Sofiane. Donc c'était plutôt sympatoche. Jolate le ninja, mon vieux. Ouais, t'inquiète, allez, vas-y. Vas-y, fais péter, mon vieux. Mais j'ai pas le temps, mon vieux, vas-y, là. Donne-moi les pouvoirs, là, que j'aille défoncer Sofiane, là. Hein? Reprends-en une, vas-y. C'est moi qui vais te défoncer. Mais t'es malade, toi. Donc, en fait, si vous voulez, le système, c'est des missions, en fait. C'est de mission en mission. On peut dire que c'est un MMORPG, c'est ça, en fait, quoi. C'est ça. C'est tu montes de level up et puis MMO pour l'aspect multijoueur, quoi. Et c'est franchement sympatoche, vous allez voir. Donc, alors attends, je vais revoir le vieux, lui, terminé, voilà. Yes, là voyez que je monte de niveau un petit peu, donc ça c'est plutôt cool. Voyez que là on gagne de la vie, de l'attaque, de la défense, enfin on gagne tout un tas de trucs. Vas-y mon vieux, confirme-moi ça. Recruter, mettre au combat et nourrir vos ninjas. Bien sûr. Alors, toi tu vas venir ici, voilà, ça c'est parfait. Y'a Konohamaru qui veut se battre, c'est toi? Bah ouais c'est moi mon vieux, allez vas-y là. Vous allez voir, alors on peut faire des coups de bâtard, franchement on peut faire des super coups et tout, mais c'est un truc de fou. Commencez, vas-y. Fais péter mon vieux, je vais y montrer mon vieux, t'inquiète. Attends, je sais plus par contre, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà, ça marche comme ça en fait. C'est du coup par coup en fait, vous allez voir. De toute façon au début, tranquille, on va bien niquer comme il faut. Hein? Voilà, hop. Faut tout le temps attendre que ses pouvoirs ils se rechargent en fait. C'est ça, Sofiane? Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, tout le temps. Ouh, là par contre, attends, hop, 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 hop. Il y a un coffre là, vas-y ça, fais péter mon vieux. Je prends, maintenant, avant de se battre. Écoute Sofiane, j'ai un grand défi pour toi Sofiane. Oh. Alors ça va se passer en peut-être 2-3 manches hein. Si tu gagnes, pour ma prochaine vidéo, je me marque sur le front I love Bouyakam avec un cœur. D'accord? Oh. Ça marche?
Sur ton torse. Ça se verra pas sur mon torse. Je peux le marquer sur mon front ou I love Sofiane, Sofiane avec un cœur si tu veux. C'est quand même une belle humiliation. D'accord. Maintenant, si je gagne en direct dans la vidéo, tu appelles un membre de ta famille et tu lui dis que t'es gay. Alors, et pas ça, tu devras partager également une de mes vidéos sur ton Facebook avec marqué « Je crois que je deviens gay en regardant les vidéos de Jolat. » Alors ? Ah, le défi relevé ! Ok, cochon, c'est parti. Oh, ah, d'accord, tu commences avec le Jutsu de Naruto carrément. Allez, vas-y. Putain. Allez, y'a pas moyen, mon vieux. Oh, mais t'as peur du... On veut t'entendre dire à ton père ou à ta mère que t'es gay. Moi, je sais que t'as perdu, mon frère. Ah, tu sais que j'ai perdu? Tu m'as l'air bien prétentieux. Allez, vas-y, attaque, Naruto, là, putain. Elle est rechargée, ma barre, là. Aïe, 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 aïe. Putain. Oh. Regarde. Allez. Boum. Eh, ça... Ah, j'allais dire ça se tient, mais... Vas-y, vas-y. Allez. Une petite grosse attaque là, fait péter l'attaque spéciale! Il y aura toujours un écart entre moi et toi! Putain! Et je suis en train de spammer comme un porc Q et W là! Laisse tomber quoi! J'ai pas été assez vif sur le clic en fait, c'est ah, ça! Moi, on m'appelle le putaclicard, t'as marqué vite! Le putaclicard! Bouyakam veut vous défier, bien sûr! Deuxième manche! Alors? On rappelle l'enjeu, si Sofiane gagne, je me marque Bouyakam avec un cœur sur le front! Sur le front ou sur la joue, enfin, voilà. Et si c'est moi qui gagne, il devra dire à un membre de sa famille qu'il est gay. Et on veut l'entendre en direct. En direct, Sofiane. On veut pas t'entendre partir, dire ouais, c'est pour un pari, machin. Non, non, faudra que tu l'appelles et que tu dises, bon bah écoute, sérieusement, je crois que je suis gay. Le défi dégueulasse quoi. Allez vas-y attaque là. Eh hey, t'es cheaté ou quoi Sofiane là? Vas-y ouais. Oh là là, oh ce que je t'ai mis. Là par contre je t'ai mis mal là. Là je t'ai mis mal quand même vite fait. T'as là, vu tu ce que j'ai fait mal, là, regarde derrière ce que tu vas faire. Attends j'ai fait une putain d'attaque là vite fait là. La boule de feu ouais. Vas-y 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 nique-le nique-le. Oui. Ah. Oui. Ah. Oui. Vas-y non. Nique-le. Vas-y. Allez putain mais nique-le. Vas-y. Non. Oui. Je suis mort. Ouais. Oh non. On attaque la troisième manche pour le défi. Et par contre je le ferai pour une vidéo hein, si jamais tu gagnes. Mais de toute façon si tu gagnes il y aura revanche. Par contre si je gagne il n'y a pas de revanche. Je te laisserai sur ta défaite. Je te laisserai sur ta défaite si je gagne. Vas-y, je spam, je spam, je spam. Putain, mais je comprends pas, j'ai spamé le premier. Ouais, mais mon personnage il est meilleur. Putain, là tu mets mal. Ouh. Je te mets mal un petit peu là, Sofiane, ou comment ça se passe là? Hein? Mais tu m'as mis mal pendant un moment. Yes, j'ai une attaque spéciale, j'ai une attaque spéciale. Je crois que je l'ai fait. Ah putain. Je crois que j'ai fait mon attaque spéciale. Elle va arriver dans ta gueule, elle va arriver dans ta gueule. Oh. Tiens. Oh là là. Vas-y. Allez, vas-y, 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 vas-y. Non. Oui. Ça va être bon pour moi. Ça va être bon pour moi. Non. Oh. Non. Non. Yes. Ça fait 2-1, Sofiane. Dernière manche, parce que une de tes victoires vaut 2. Une de mes victoires vaut 2, d'accord. Une de mes victoires vaut 2. Dernière manche, allez, dernière manche. Vas-y, vas-y, j'ai cliqué là. J'ai cliqué le premier, putain. J'ai cliqué là. Tu vas perdre, là j'aurai aucune. C'est quoi ce délire? J'ai pas envie de dire à mon père que je suis gay. Vas-y, vas-y. Tu vas dire à ton père que t'es gay, mon vieux. Je te le garantis. Allez, vas-y. Vas-y. Oh. Oui. Aïe, 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 le dragon. Oh, c'est bon, eh, c'est la dernière manche, hein. C'est la dernière manche, hein. On est d'accord, hein. Oui. Vas-y, 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 attaque spéciale. Vas-y, j'ai lancé l'attaque spéciale. Vas-y, Sasuke, lance ta boule de feu, Sasuke. Aïe, 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 y'a un personnage qui va mourir. Ouh, ça, c'est pas bon pour toi. Putain, y'a un écart, y'a un écart, y'a un écart. L'écart se creuse. Vas-y, l'écart se creuse. J'ai mon attaque spéciale. C'est la dernière manche. C'est la dernière manche.
C'est la dernière manche. C'est la dernière manche. J'ai gagné. J'ai gagné, Sofiane. J'ai gagné. Sofiane, le défi. Le défi. Le défi. Le défi. J'ai gagné, Sofiane. Non. On doit l'entendre. On doit entendre. Hé, hey, papa. Ou maman. Je vais aller chercher mon frère, je reviens. Non, tu vas y dire. Tu vas y non, dire. Non, j'ai pas triché, non, j'ai pas triché. Mon frère, il dort. Ah. À demain, je le reporte, le défi. Ah. Ah, bouh. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas le réveillé. Ceci dit, j'ai gagné le défi. Tu dois donc partager une de mes vidéos sur ton Facebook, cochon. On retiendra une chose. Le boss de Naruto, c'est bébé.